Salut, vous êtes les bienvenus dans ce tutoriel. Il y a un groupe admettons qui sont là. Eh bien, je vais m'occuper de l'administrateur. Ok, dans ce cas, je vais net espace. Abonnez-vous pour encourager le travail, merci. Dans le groupe, plus loin, administrateur, S. Et là-dedans, je fais entrer. Là, j'ai le contenu du groupe administrateur. Vous verrez uniquement les personnes qui ont le droit d'administrer la machine ici. Voilà. Et si je veux, je peux. Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Un cinquième. Vite fait. Sixième. Vous êtes les bienvenus dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est un tutoriel avancé pour les apprentis du domaine de l'informatique. C'est un tutoriel basé sur l'administration de votre ordinateur. Cette méthodologie s'applique en entreprise. Et bien sûr, si vous voulez vous amuser à la maison à réaliser ce tutoriel, ça serait pour votre propre apprentissage. Je vous prie de vous abonner, merci. Autodidacte, donc libre à vous. Nous avions fait la dernière fois la gestion des comptes d'utilisateurs sur une machine Windows. Donc la gestion des comptes qui se connectent sur votre ordinateur pour aller utiliser cette machine. Nous avions vu comment créer un compte ou plusieurs, lui donner un mot de passe ou lui modifier un mot de passe ou lui donner les droits d'administrateur ou le laisser en utilisateur standard. En tutoriel, la dernière fois, on avait vu aussi comment activer ou désactiver un compte par sécurité. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'administration des groupes. La notion de groupe dans une entreprise contenant plus d'une centaine d'employés, plus d'une millième d'employés. Donc forcément, vous aurez les informaticiens de cette entreprise qui, eux, vont être dans le groupe tech. Et pour les responsables, vous aurez un groupe créé pour les responsables. Pour le service RH, bien, il y aura un groupe pour le service RH. Pour les stagiaires, il y aura un groupe pour les stagiaires. Donc ça, c'est la notion du groupe que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter des utilisateurs existants ou... Laissez un like plus un commentaire. Et bien sûr, nous allons créer le groupe d'abord. Je vais vous montrer comment aussi supprimer le groupe. Et nous allons voir comment rajouter un groupe dans un groupe dans ce tutoriel en ligne de commande avec l'invite de commande de Windows. D'ailleurs, il y a une chose qu'on va faire en ligne de commande que nous ne pouvons pas faire en graphique. Mais la partie graphique, nous le ferons à 100% après. Bon, certes, je vais vous montrer quelques petites techniques en graphique pour pouvoir vérifier certaines choses, que vous soyez bien sûr dans ce tutoriel, mais la partie pleine graphique, je vous le montrerai après. Pour commencer, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, à la chaîne Numéritech. C'est là-dessus que vous aurez des choses supplémentaires dans l'informatique. Là-dessus, que vous vous mettez dans la barre de recherche de Windows, vous tapez Invite et Commande. Là-dessus, vous tapez CMD aussi, le programme va apparaître. Ou MS-12 pour les plus anciens, ça va apparaître. Lorsque vous êtes ici, vous êtes dans le shell, l'invite de commande de Windows, qui vous permet d'interagir avec le système d'exploitation de manière rapide et efficacement. Maintenant, il faut connaître les lignes de commande. Donc, il y a déjà des tutoriels sur la chaîne à le voir concernant l'MS-12. Étant ici dans le sous-dossier système 32, j'ai déjà montré comment sortir de là rapidement. Donc, je ne vais pas le montrer encore une fois. Allez voir le tutoriel précédent. Ici, je peux mettre un petit couleur parce que j'aime bien cette couleur. Lorsque vous êtes ici, pour voir les groupes existants sur cette machine, laissez un like plus un commentaire. La commande est net local groupe. Vous abonnez, faites entrer. Merci. Là-dedans, vous allez voir une liste de groupes qui existent déjà sur cette machine. Nous allons nous occuper de ce groupe administrateur qui lui est déjà créé. Nous allons prendre des groupes, mettre à l'intérieur ou ajouter des utilisateurs à l'intérieur. Et ces groupes-là, on ne va pas s'occuper de ces groupes-là. On va plutôt créer, pour vous montrer comment créer, vous allez voir. Vous voyez les groupes qui existent ici. Nous, on va avec le compte administrateur. Aujourd'hui, ce tutoriel est à but éducatif. Faites attention à ce que vous faites avec. Étant ici,
je peux faire un CLS. Nous allons commencer de base, NetUser. Ça concerne les utilisateurs qui sont sur cette machine. Ces utilisateurs, on pourrait les mettre dans des groupes. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va en créer quelques utilisateurs pour aller créer des groupes, les mettre à l'intérieur, pour que vous puissiez voir du A à Z. Ça, c'est un utilisateur, administrateur. C'est pas le groupe administrateur que vous avez vu tout à l'heure. Forcément, lui, il est dans le groupe administrateur. Si je fais un CLS, je retourne dans net local groupe. J'ai fait entrer. Là, j'ai les groupes. Maintenant, je vais voir le contenu d'un groupe, admettons, qui sont là. Eh bien, je vais m'occuper de l'administrateur. OK, dans ce cas, je fais net espace local groupe. Plus loin, administrateur S. Et là-dedans, je fais entrer. Là, j'ai le contenu. Partagez la vidéo à vos amis. Du groupe administrateur. Vous verrez uniquement les personnes qui ont le droit d'administrer la machine ici. Par exemple, l'administrateur, lui qui a un compte. Vous avez administrateur au singulier. Vous avez le compte Numeritech aussi qui est administrateur de cette machine. Qui a le droit d'administrer la machine. Ok, ce ne sont pas des utilisateurs standards, chose que nous avons déjà vu comment changer type de compte. On va réviser un petit peu tout ça dans ce tutoriel, mais il y a le tutoriel sur la chaîne, puisque je vais aller vite sur ce que j'ai déjà fait déjà. Là-dedans, j'ai le contenu d'administrateur. Je ne vais pas m'occuper des autres comptes. Ok. Plutôt, je vais faire ce que nous avions dit tout à l'heure. Je vais créer des utilisateurs. Avec la commande NetUser, ça c'est vite fait aussi. Pourquoi? Parce que j'ai déjà montré comment faire ceci. User. Hop. Ensuite, donc je vais mettre un mot de passe pour user. Hop. Hop. Espace. Add. Mais par contre, je vais aller un petit peu plus vite. Pourquoi? Avec cette syntaxe, NetUser, user 1, et puis le mot de passe pour ce user. Ensuite, add. Cette syntaxe vous permet d'écrire des utilisateurs rapidement avec ou sans mot de passe. Ok? Avec ou sans mot de passe. Je fais entrer. La commande s'est terminée correctement. À partir du moment où je viens de créer un utilisateur de plus sur cet ordinateur. Si on va faire un tour en graphique, après on revient sur la création de compte d'utilisateur. Étant ici, je fais entrer en Windows X qui va me ramener ici. Je vais dans gestion de l'ordinateur. Attention. Faites ce que je vous propose pour ne pas déranger votre ordinateur. N'allez pas à gauche, chose que je ne vous ai pas montré, pour déranger l'ordinateur, pour dire que vous avez vu ça sur la chaîne de Numeritech. Là-dedans, vous serez ici. Vous cherchez, vous descendez dans utilisateur et groupe. Vous aurez utilisateur, vous aurez groupe. Donc groupe. En graphique, c'est comme ça pour aller vérifier les groupes. Vous pourriez créer aussi, supprimer, faire plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est la partie ligne de commande. En graphique, je viendrai détailler un peu plus la partie graphique après. Ici, on va dans le groupe administrateur au pluriel. Là-dedans, cliquez dessus, vous aurez membre. Donc, c'est double clic qu'il faut faire ici. Hein. Vous avez l'utilisateur administrateur que nous avions vu tout à l'heure qui est déjà dans le groupe administrateur. Vous avez ceci, ceci. Ceci, ceci. Ça, c'est les membres qui sont dans ce groupe-là. Vous avez vu les logos des membres d'un ordinateur, un écran et un bonhomme. Si c'est un groupe, vous aurez deux bonhommes à côté, homme ou madame. On va voir tout ça tout à l'heure. C'est pour ça que je vous prie de vous abonner et surtout, soyez concentrés pour bien comprendre ce tutoriel. Abonnez-vous pour encourager le travail, merci. Bon, c'était juste pour vous montrer en graphique. Maintenant, l'utilisateur que j'ai créé, donc on va le voir dans l'utilisateur, par exemple, user 1. Créé, ça se voit sans de vérifier. Donc, si je fais un net user, net user très simple. Je vous prie de vous abonner, merci. Ah, là j'ai créé un utilisateur qui figure parmi la liste d'utilisateurs que je pourrais
mettre dans des groupes qu'on va créer tout à l'heure. Réviser la façon de créer un compte, vite fait. Je ne vais pas expliquer les détails puisque c'est les groupes, le sujet du tutoriel aujourd'hui. Je vais aller un peu plus vite, c'est-à-dire que je vais nettoyer ici et je rappelle cette commande parce que c'est la même syntaxe que je vais rentrer pour créer d'autres utilisateurs. J'aurais pu mettre Toto 1, Toto 2, Toto 3 ou Tintin 1, Tintin 2, Tintin 3, Tintin 4. Moi, j'ai mis User. J'ai déjà créé. Je mets 2 ici. C'est-à-dire que c'est un autre utilisateur que j'ai créé là. OK. Je mets 3 ici. Ça, c'est un autre utilisateur que je vais décrire là pour aller plus vite. Oh. Et la quatrième, je vais le taper. Net User. User 4. OK. Espace slash add. Voilà. Et si je veux, je peux mettre un cinquième. Vite fait. Sixième. Vite fait. Okay, puisque c'est le même syntaxe, je vous passe déjà des techniques pour aller plus vite. Là, on vient d'écrire 7 utilisateurs, vite fait. J'ai créé la 7e sans la 6e. Donc, 6e, je vais dire net user 6 plus loin. Espace add et boum, et je viens de créer la 6e. Donc on repart sur la 7e, donc peut-être la 8e. Cette fois-ci, je peux juste faire ceci, hop, hop, et ceci, ceci, hop, et net. User 10 et puis slash, non, c'est un espace slash et add. Là, je viens de créer 10 utilisateurs vite fait, rapidement, en ligne de commande. Ok, si je veux aller vérifier les utilisateurs, il y a plusieurs façons. Je peux vérifier ça ici. Dans le groupe utilisateur, il faut que je fasse une petite actualisation. Hop, voici les utilisateurs que je viens de créer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapidement. OK. Après, si je fais un net user par ici, je vais installer par là. Net user. Abonnez-vous pour encourager le travail. Et à mesure, merci. De voir tout ce compte-là que je viens de créer ici aussi en ligne de commande. OK. Ça, ce sont les comptes que je vais mettre dans des groupes, les placer dans le groupe administrateur. Nous allons voir tout ceci. OK. Supposons que vous êtes dans l'entreprise, il y a tous les utilisateurs et tous les utilisateurs, ben, il y a ceux qui sont RH, techniciens, responsables, employés ou stagiaires. Donc, laissez un petit pouce pour encourager le travail, s'il vous plaît. Là, laissez un like plus fait. Un commentaire. Je peux déjà dire c'est bon pour cette histoire d'utilisateur, parce que c'est une révision, vous savez comment faire ceci. Maintenant, la modification de mot de passe, tout ceci, on ne va pas retourner là-dessus. Pour créer un groupe, le groupe que nous allons créer aujourd'hui va être net local group. Cette commande qui nous permet de créer un groupe. Donc nous, on va déjà mettre tech administrateur. OK. Add traitor. Donc on laisse ça en anglais. On va mettre ça. Ça, c'est un groupe que je viens de créer ici. Mais je vais mettre quelque chose comme ceci.
Et puis, plus loin, je mets un slash et add. En principe, à partir du moment, c'était que je viens de créer là, tech administrateur. Je vous prie de vous abonner, merci. On va s'occuper du service informatique en premier lieu. Après, pour sortir, aller s'occuper du service RH et autres. Je peux aussi créer un groupe tech. Ok. Dans ce cas, c'est la même chose. Laissez un like plus un commentaire. Ok. Ben, je vais juste laisser tech. Si je fais un net local group, là-dedans, censé figurer tech que je viens de créer et tech administrator, it's OK. En graphique aussi, on va le voir apparaître ici. Si je fais un clic droit sur la souris, j'actualise. Et bien voilà. Là-dedans, il n'y a pas de membre. OK. Là aussi, il n'y a pas de membre. Parce que j'ai créé les groupes. Pour le moment, je n'ai pas encore mis deux membres. Les utilisateurs que nous avions créés tout à l'heure vont être dans ces groupes-là. Pour voir le contenu d'un groupe, net local groupe, plus loin, le nom du groupe. Donc, tech_administrators, ce groupe-là. Eh bien, vous aurez nom d'alias, correct, commentaire, donc j'ai pas mis de commentaire, voilà, on va voir ça après, et membre, on en a 0. C'est comme ça pour vérifier le contenu d'un groupe en ligne de commande. Pareil, tech aussi pareil, il n'y a pas de membre pour le moment. Ok, on peut dire qu'on va créer un groupe local groupe. Je vous prie de vous abonner, merci. H, donc ressources humaines, espace, add. Donc, toutes les personnes qui travaillent dans les ressources humaines vont être dans ce groupe-là. Nous verrons comment procéder tout à l'heure. Et aussi, je peux créer un quatrième groupe. Donc, c'est les mêmes syntaxes. Il faut juste que je mentionne le nom du groupe ici. Je vous donne des techniques pour aller plus vite. Mais mettez la vidéo en pause pour pouvoir bien, parce que je suis obligé de le taper une fois bien. Et puis, je vous fais des petits raccourcis vite fait. Là, c'est un raccourci, par exemple. Je vais pas vous dire qu'il faut, lorsque vous aurez des utilisateurs avec des noms personnalisés, avec des informations différentes, prenez le temps de bien mettre les informations des employés, des gens que vous aurez dans le cahier des charges. OK, pour ceux qui souhaitent aller faire un tour dans le domaine de l'informatique. OK, vous aurez de longueur d'avance en visionnant ce tutoriel. Là, vous avez le nom à choisir. Par exemple, on va dire responsable. C'est-à-dire que si vous avez plus de 100 employés, vous pouvez avoir plusieurs responsables. Donc, les responsables de ces entreprises vont être dans le groupe responsable. Et on peut être responsable ou ressources sont tous des employés, donc c'est pas la peine de créer des groupes pour les employés. C'est dans le cadre où j'aurais pu mettre responsable, patron ou autre chose, mais comme je vous ai dit, ça suffit largement pour comprendre ce que nous faisons aujourd'hui et de l'appliquer à votre bon usage. Si je fais un CLS et puis je fais un net local groupe pour aller vérifier, donc là j'ai déjà créé RH responsable tech administrateur. Ok, et puis je vais créer un cinquième groupe pour aller vous montrer comment supprimer un groupe ou un utilisateur. Nous allons voir.
Donc, vous savez, net local group. Ensuite, je mets le nom que je voudrais dire. Tiens, on peut mettre stagiaire aussi. Stagiaire. De toute façon, il faut des stagiaires. Stagiaire. Hop. Add. Correctement. Et sixième groupe qui va être test. Ok, ça c'est quelque chose de test. Ce groupe-là. Boum. Là, nous avons créé les groupes. Maintenant, dans ces groupes, comment attribuer des utilisateurs dans ce groupe? Chose que nous allons voir de suite. On a créé tech. Je vous prie La de tech, vous on va abonner, mettre merci. trois techniciens. Pour ceci, net local group. Le nom du groupe. Donc on va mettre tech. Et plus loin, le nom des utilisateurs qu'on souhaite mettre. Donc je vais mettre user 1 en premier lieu et slash add et entrée. À partir du moment, si je fais net local group, je vais plus loin, je mets tech, je suis censé voir user 1 à l'intérieur du groupe tech. Ok? Tiens, je vais le faire à plusieurs reprises, comme ça, vous allez voir. Maintenant, tech administrateur. Je veux rajouter aussi un utilisateur dans tech administrateur. Mais toutes les façons, c'est très simple. Donc, je rappelle la commande si je veux aller un peu plus vite, ou sinon je le tape net local group, ensuite tech et user 2 espace add net local group plus loin tech plus loin user 3 espace slash add. Là-dessus, je viens de créer, enfin, rajouter trois membres dans le groupe tech simplement. Ok, on a 1, 2, 3. Donc, user 1, user 2, user 3. Dans le groupe tech, on peut vérifier en faisant net local group tech. Tac. Là, voici les trois utilisateurs que je viens de mettre sous vos yeux. Donc, mettez le tutoriel en pause. Si vous voulez voir comment je fais. Donc, ici, je vais rajouter trois autres utilisateurs dans tech administrateur. Donc, ces techs-là ne sont pas des techs simplement. Ils sont des techs. Ensuite, ils sont administrateurs. Ils auront le droit d'administrer l'entreprise. OK? Comment ça va se passer? Le même syntaxe, net local group. Plus loin. Tech underscore, vous devez vous rappeler de ce que vous avez écrit. Administrator. Ok. Et on va mettre user 4. Ok, donc il va être user 4. Espace slash add. Ok.
Là, nous avons créé les utilisateurs, nous avons créé les groupes, et là, nous introduisons les utilisateurs dans les groupes que nous avons créés. Donc, les tech administrateurs, donc on va essayer de voir pour les responsables après. De toute façon, on va piocher pour pouvoir bien comprendre ce tutoriel. On va prendre du temps là-dessus. Je vais mettre user 5 aussi dans le groupe administrateur. Très simple. Pour ça, soit je fais net local groupe. Je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Tech underscore administrator. OK. Plus loin, je mets user 5 espace slash add. Là-dessus, je viens de mettre Tech 5 dans le groupe Tech Administrator. Je vais faire la même chose pour Tech 6, mais on va aller plus vite. Toc. Okay. Ça, c'est la même façon si vous avez une quinzaine, une vingtaine, une centaine ou une millième de personnes à rajouter dans un groupe. Ça, c'est la manière la plus sûre. Peut-être, bon, il peut y avoir d'autres, mais il faut au moins avoir... C'est la façon la plus simple. Et puis, bon, on va passer à des OS serveurs, parce qu'avec l'Active Directory, ça, c'est beaucoup plus intéressant à faire. Mais vous pouvez le faire en local même sur votre machine. Donc, il y a déjà des tutoriels sur l'Active Directory dans la chaîne. Donc, je vous encourage à faire un tour, à comprendre. Et puis, je vais recommencer avec l'Active Directory, mais il y aura plus de contenu, plus de formations. Donc, c'est pour ça qu'on va petit à petit. Donc, on fait les bases ensuite pour enchaîner. C'est bon. 6. Donc, on a user 1, user 2, user 3 qui est dans le groupe Tech, tout simple. Et là, on a user 4, user 5, user 6. Laissez un Qui like sont plus un commentaire. dans le groupe Tech Administrator, qui lui, c'est avec ce groupe Tech Administrator que je vais vous montrer comment mettre un groupe dans un groupe. Ce groupe Tech Administrator, je vais le prendre, je vais le mettre dans le groupe administrateur du système. Mais avant, je vais donner les droits aux utilisateurs. OK? On fait ça. Mais suivez ce tutoriel, c'est la bonne procédée. Okay, il y a plusieurs procédés, mais ici que vous suivez ce tutoriel, vous allez comprendre à la fin. Donc là, il reste user 7, user 8, user 9 à mettre dans un groupe. Dans quel groupe qu'on va mettre? On va mettre dans le groupe responsable. On avait créé le groupe responsable, pareil, net. Local groupe plus loin responsable, ça c'est le nom du groupe. Ensuite, on va mettre user 7 espace slash add dans le groupe. Voilà, et là je rappelle, je vais mettre user 8. On a dit que on va le mettre dans le groupe responsable qu'on avait créé. Les stagiaires, pour le moment, on laisse ça comme ça. Et user 10, je vais mettre ça dans le test 1 pour vous montrer comment enlever un utilisateur, comment supprimer un groupe. OK? Donc là, c'est bon, il y a du contenu partout. Vous pouvez vérifier ça Je vous ici prie de vous abonner, en merci. faisant net. Local groupe et on fait tech là-dedans. On a trois utilisateurs et net local groupe espace tech underscore admin. Pause.
en anglais, je dis de faire comme ça pour les félines. On a user 4, user 5, user 6 qui est, enfin, qui sont dans ce groupe. Maintenant, on a net local groupe espace responsable. Hop, et là-dedans, on a user 7, user 8, user 9. Maintenant, il reste user 10 à venir mettre dans un groupe que je vais montrer au hasard, pour que je vais vous montrer comment supprimer un groupe aussi. Et aussi, j'en profite pour vous montrer comment supprimer un utilisateur. Net local group user 10 avant user 10, donc c'est test 1. Tiens, je vais vérifier le nom du groupe avant, parce que si je me trompe ici, net local group, tout simple. Test, ok, c'est test qu'on avait mis. Je vais le supprimer, c'est bon. Net local group test. Ensuite, user 10 espace slash add. Là, c'est bon. Je vais ajouter cet utilisateur user 10 dans le groupe test. Ce groupe-là, je vais vous montrer comment supprimer un groupe. Mais avant de faire tout ceci, nous allons voir comment donner le droit à un compte d'être parmi les groupes administrateurs. Vous donner le droit d'administrateur. Net local group administrateur. Vous voyez le contenu. On a cela. Vous aurez d'autres utilisateurs ici. Comment rajouter d'autres utilisateurs ici? Par exemple, user 4, user 5, user 6 qui sont administrateurs. Normalement, qui sont dans le groupe administrators. Ils vont figurer ici aussi. Après, venir mettre le groupe carrément s'il le faut. Ok? Je vais vous montrer comment le faire un après l'autre. Et puis après, prendre le groupe, mettre là-dedans. Comment ça va se passer? Je peux faire un CLS. En faisant ce CLS, je fais net local group. Local group. Hop. Je fais un espace. Je mets le nom du groupe. Donc, je vais dire administrateur, donc je vais mettre, attention bien orthographe, c'est administrateur au pluriel, le user 4 pour commencer, espace, je fais un add. Et bien dans les groupes administrateurs, si je fais net user net local group, là j'ai user 4 que j'ai rajouté sous vos yeux. En graphique, vous pouvez voir ceci de manière très simple en faisant un Windows X qui m'envoie ici. Je vais dans paramètres directement et je vais arriver par là. Donc je vais dans le secteur compte et puis ceci. Ça, c'est une façon pour changer le type de compte. Il y a plusieurs façons, vu que j'ai déjà montré comment faire. Donc, je ne veux pas rester là-dessus longtemps. Là, user 4 que je viens de donner l'autorisation, en administrateur, voici la notion administrateur. Tous les autres sont en compte local. Donc, forcément, ils ont des statuts utilisateurs standard. Pour le changer par ici même,
puisqu'on va mettre trois groupes dans le trois utilisateurs. On va donner trois utilisateurs droit d'administrer cette machine. Donc, user 4 et user 5. Je clique là-dessus. Changer le type de compte. Vous cliquez là-dessus. Utilisateur standard. C'est pour ça qu'il n'y a pas la notion administrateur. Je clique là. Je mets administrateur. Je fais OK. Là, nous venons le faire en graphique. Si vous voulez faire ça en graphique. Vous avez vu en ligne de commande, j'ai fait moins de clics. Mais j'ai tapé plus. Ceci, on peut aussi venir dire oui, on va mettre user 6. Ok. User 6. 6. Pas espace. 6. Espace. Add. Hop, là il y a une bêtise qui s'est faite. On va effacer un peu. Donc, on va chercher où c'est la bêtise. La bêtise, c'est qu'il y avait un seul U. Voilà. Pour tabuler, pour rappeler les commandes, si vous ne voulez pas taper, parce qu'à chaque fois, il faut entrer sur un net local group, administrateur qui est le groupe et l'utilisateur qu'on veut mettre là dans le groupe. Une fois que j'ai pris le temps de vous montrer la syntaxe une fois, vous devez mettre le tutoriel en pause pour bien comprendre ça. Après, vous pouvez tabuler avec les flèches de direction de votre clavier. Donc, le flèche du haut, vous pouvez appeler les lettres par lettre, voilà. D'accord? Ou bien appeler directement la commande. Ça, ce sont des techniques que je vous dévoile. Là-dedans, on a mis... on a donné le droit d'administrateur aux utilisateurs qui sont là, que nous avions créés, ces utilisateurs-là. Si ceci, normalement, il a le... son administrateur, il faut que je refresh. Hop. Voilà. Ceux-là sont déjà dans le groupe administrateurs. OK. Maintenant, on ferme ici le groupe administrateur net local group administrateur. Là-dedans, il manque un S. Là-dedans, vous aurez le membre. Donc, cela que nous venons de rajouter manuellement. Aussi, je peux rajouter le groupe carrément. Donc, on va voir le groupe en groupe. Là, vous ne voyez pas le groupe administrateur. Pour le feeling, je vais faire un test. Faire un test. Nous allons expérimenter quelque chose pour le feeling dans ce tutoriel. Net user tech user user 11. Hop. Add. Ça, je vais le créer sans mot de passe puisque c'est. Voilà. C'est très. Ça, c'est un utilisateur que j'ai créé. Mais je vais créer 12 aussi. J'ai pas mis de mot de passe. Vite fait. Maintenant, ces utilisateurs, je vais les mettre dans le groupe Administrators. Ok? Dans le groupe administrators qui est ce groupe là. Là-dessus, je vais mettre user 11. User 11 espace slash add.
12h12, pareil. Là, il suffit juste que je remplace 11, je mets 12. Tac, c'est bon. Ces deux utilisateurs-là, je les ai rajoutés dans le groupe tech_administrator. Maintenant, je vais prendre ce groupe-là que je vais rajouter dans le groupe administrateur de la machine. Je vais vous montrer deux façons de faire. OK? La chose que je vais expérimenter, c'est si je n'aurais pas donné le droit d'administrateur avant de rajouter le groupe tech administrateur dans le groupe administrateur de la machine, est-ce que ça va fonctionner? Nous allons tester. Voyons voir. Pour rajouter un groupe dans un groupe, dans ce tutoriel, vous allez savoir comment faire. Net local group, c'est la syntaxe. Ensuite, je tape le nom du groupe que je vais administrateur. Ça, c'est le groupe administrateur de la machine, donc je vais venir mettre le groupe tech_administrator en anglais, espace add, un groupe dans un groupe, ce groupe là je vais le mettre dans le groupe administrateur. Add. Il trouve pas pourquoi. Parce que ouais, il y a une erreur sur la commande. Donc c'est torse. En anglais, c'est juste que ça, et la commande s'est terminée correctement. Quand même, il y a des syntaxes qui sont un peu longs pour ça. S'il manque une lettre, une espace ou autre chose, bon, là c'est en majuscule, ça passe, mais sur Linux, les virgules et les majuscules, les minuscules sont importants dans Linux. Bon, là on peut le faire en majuscule, comme ça aussi, ça vous aide à voir plus clair les commandes. Et voilà. Maintenant, c'est comme ça pour rajouter un groupe dans un groupe avec l'invite de commande de Windows. Cette chose-là, en graphique, vous n'allez pas réussir à le faire comme ça sur un OS client. OK? Cette chose-là, là, que je viens de faire là. Il vaut mieux le faire en ligne de commande. À présent, et encore, ce sont des groupes que je viens de créer là. C'est un petit peu complexe, j'ai déjà penché sur le sujet, j'ai vu que c'est un petit peu complexe. Net local group, je vais faire un tour dans administrateur. Hop, vous voyez là, j'ai net local group en main. Là, j'ai mis ce groupe là parmi les groupes d'administrateurs. Donc tous les utilisateurs, bien sûr que ces utilisateurs-là sont dans ce groupe-là. Là, je l'ai fait d'une manière, mais parce que je sais que si j'avais mis ce groupe-là sans que les administrateurs ne figurent pas ici, ben, ça ne changera pas grand-chose. Le groupe sera, mais les utilisateurs n'auront pas le droit d'administrer la machine. OK. Et si je vais faire un tour là-dedans, dans groupe, le tutoriel après ce qu'il faut pris fin, là, c'est juste comment supprimer un utilisateur dans un groupe. Comment supprimer un groupe dans un groupe aussi. Je vous ai montré comment faire. Je vais vous montrer comment de faire. Administrateur. Là, vous voyez, le logo a changé. Là, c'est un groupe. Là, il y en a deux. Là, c'est des utilisateurs simples qui ont le droit d'administrer la machine aussi. Mais c'est pas un groupe. Hop. Donc, ça va. Je vous ai montré deux façons. La première façon, c'est de donner le droit aux utilisateurs en premier lieu. De toute façon, c'est comme ça.
vous donnez le droit à l'administrer quand même. Ensuite, vous créez un groupe pour vous repérer, vous, vous les mettez dans le groupe d'administrateurs. Vous savez que les personnes qui sont dans ce groupe, ce sont tous des administrateurs. Les personnes qu'on a mises dans Tech, par exemple, ce groupe-là, c'est des techniciens simples, des techniciens. Et là, ce sont des techniciens avancés. Donc, ainsi, bon, voilà. Ça a fonctionné aussi. Enfin, là, vous voyez tous les membres du groupe. On a deux, quatre, cinq dans ce groupe d'administrateurs. Donc, en principe, les trois techs là doivent bien bosser, hein, parce que ils sont, parce que les administrateurs en graphique, je vais rajouter quelques techs, hein, en graphique, ajouter, et là, vous devez taper le nom d'utilisateur que vous souhaitez. Donc, je vais mettre SKT. La cerise sur le gâteau, c'est qu'un utilisateur peut être dans plusieurs groupes. Je vais vérifier le nom. Il l'a trouvé. Je fais OK. Là, c'est dans le groupe texte. Je vais rajouter encore. Je vais voir ce qu'il va trouver. Après, il a rien trouvé. Tech 1. Ouais, je vais ajouter 2, 4. En principe, il va y avoir plus de techniciens quand même. On va mettre plusieurs 10. 10. Ok. Hop. Et on peut mettre plusieurs 11 aussi. Là, c'est un graphique que nous faisons. Je vous ai déjà montré comment faire en ligne de commande. Plusieurs 11. On vérifie. On fait cela. Et on applique. On fait OK. Bon, là, vous avez vu déjà. Maintenant, comment supprimer un groupe dans un groupe. La chose que je vous conseille de faire, donc, c'est de prendre, par exemple, net local groupe espace test. Là, on a user 10. Je ne vais pas supprimer user 10, mais je vais l'enlever du groupe. Je le supprime. Enfin, attends. Ça, c'est un peu complexe, mine de rien. Je vais mettre plusieurs. Allez, net. Je vais mettre le groupe test dans le groupe administrateur après pour l'enlever, pour vous montrer la procédure. Si vous vous êtes trompé, comment enlever d'un groupe, un groupe dans un groupe. OK. Laissez un like plus un commentaire. Je mets Laissez les publicités afin de m'aider. Merci. notre local groupe add ministra first. Et là-dedans, je mets test. Et puis hop, je fais add. Là-dedans, il manque un T. S'il n'y a pas les bonnes orthographes, ça ne fonctionnera pas. CLS. Net local group test administrators. Net local group add ministre avec un S. Il y a une erreur. Pas des erreurs, mais il manque des lettres. Comme ceci. C'est bon. Vous avez maintenant test, qui est un groupe
tout comme j'ai rajouté tech administrateur tout à l'heure, et bien là, j'ai rajouté test pour aller le supprimer, pour vous montrer comment enlever ces tests-là ici. OK. Pour ce faire, vous tapez net local groupe espace administrateur. Espace test espace slash, par contre cette fois-ci c'est delete là, ouais. Je crois qu'on va perdre le, tiens, delete, c'est pas add mais delete, la commande s'est terminée correctement. Et si je refais pour aller vérifier le contenu de ce groupe là, administrateur, eh bien il n'y a plus voilà, donc il a disparu avec son user 10. Maintenant, pour supprimer un utilisateur d'un groupe, pareil. Let local group, cette fois-ci, on va dire net local group test. OK. Le groupe test. Ensuite, l'utilisateur user 10 qui est à l'intérieur. OK. Parce que NetLocalGroup a enlevé test d'administrateur, mais test figure toujours sur l'appareil. On a juste enlevé là où est-ce qu'on l'avait mis. On va voir aussi comment supprimer ce groupe aussi si on n'en veut plus. Ici, on avait dit que dans le groupe test, je vais enlever user 10. User 10. OK. Avant, on va voir le contenu des tests. Vous avez bien user 10 dans tech. Bon. OK. Test. Ensuite, user 10 espace slash delete. Hop. À partir du moment, si je veux voir le contenu de test, ben, il n'y a pas de bombe puisque j'ai envoyé le seul utilisateur qu'il avait. J'ai enlevé le seul utilisateur qu'il avait, donc user 10. C'est comme ça pour enlever un utilisateur dans un groupe. Et aussi, vous avez vu comment enlever un groupe dans un groupe. Maintenant, la dernière chose, comment supprimer un groupe? Un groupe. Je vous conseille d'enlever les utilisateurs dans les groupes, ensuite de les supprimer. C'est ce que je viens de faire là. J'ai enlevé R10, User 10 dans Test. Maintenant, je vais pouvoir supprimer le groupe Test si j'en veux plus. Et que si je fais un CLS et je fais un net local groupe, hop, vous verrez, le groupe Test figure toujours ici. Là-dedans, je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il vous plaît, partagez la vidéo si vous a servi. Et likez, voilà. Là, je peux faire un CLS. CLS et net, plus loin, local group. Et là-dedans, je viens mettre le nom du groupe que je ne veux pas, je peux plus loin, vous connaissez déjà, c'est delete. C'est terminé correctement, je fais un CLS pour venir faire un net local group entrée et vous cherchez test dans les groupes, vous n'allez pas le trouver.
En résumé, nous venons de créer des utilisateurs, chose que vous savez déjà faire. J'ai déjà un tutoriel sur la chaîne. Créer des groupes. Créer un ou plusieurs groupes. Ajouter des membres dans ce groupe. Ajouter ce membre dans ce... Ajouter les droits d'utilisateur, des droits d'administrateur à des utilisateurs. Et les rajouter dans un groupe administrateur. Et supprimer un groupe. Donc mettez la vidéo en pause pour pouvoir connaître les... Bien connaître, par exemple, si vous avez des choses comme ça à administrer, voilà, en entreprise ou même à la maison, si vous souhaitez vous entraîner, vous pouvez faire certaines choses. Donc là, le tutoriel a pris fin. C'était tout. Pour d'autres tutoriels, à bientôt. Exit. Et boum.